aujourd'hui, c'est le lancement de mon troisième album en français, puis je pense que c'est mon huitième à carrière. Puis c'est un album qui s'appelle La course des loups. Plus de nuits sans, plus de crimes insignifiants, plus d'empreintes dans le sable. La course des loups, c'est un album un peu moins conceptuel que celle avant de Bras coupés. Bras coupés, c'est un album très conceptuel. Ça parle de la Nouvelle-Orléans, la musique était tellement louisianais. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un thème moins conceptuel, mais il y a quand même un thème. Il y a quand même un chemin que j'ai pris, une certaine inspiration, parce que La course des loups, c'est une citation de Che Guevara. Ça touche vraiment la profondeur de le système capitaliste puis l'implication de la pauvreté. Je pense qu'on réalise pas comment la pauvreté peut faire dommage à une vie puis la vie sociale de quelqu'un, mais non seulement la vie économique. So, c'est intéressant. C'est avec ce phrase-là que j'ai décidé de faire un album. Puis l'album parle vraiment de la capitalisme, mais c'est pratiquement toutes des chansons d'amour, mais d'une époque capitaliste. Le coup de cœur sur l'album, c'est vraiment une chanson qui est plus personnelle que politique. C'est probablement la chanson la plus personnelle pour moi, c'est une chanson qui s'appelle « Je t'ai fait mal ». Puis « Je t'ai fait mal », ça parle d'une couple et une personne qui sent tellement coupable, tu sais, pour quelque chose, whatever, pour quelques raisons. Dans ma vie, c'est dur de parler des couples des fois parce que moi puis ma femme, on est ensemble depuis 15 ans puis les choses vont très bien. mais j'essaie d'écouter des histoires des autres puis de mettre moi dans la place des autres puis d'écrire quelque chose inspiré par un autre, des autres couples. Puis anyway, Je t'ai fait mal, c'est vraiment une chanson qui parle de deux personnes. Et quelqu'un qui dit Je t'ai fait mal et je me sens terriblement coupable, je suis désolé. T'sais. Les highways, les frontières, les lignes sous le front. Ma capacité d'écrire en français, de crier en français, s'améliore. Puis c'est dur, quand je parle, je pense trop vite pour ma capacité verbale, tu sais. Je parle trop vite, puis je pense trop vite. Je réalise que je fais plein d'erreurs. Mais en composition, c'est facile. Je vais prendre mon temps. Je peux vraiment travailler les textes. Puis je trouve que maintenant, ça devient tellement facile, tellement évident. Puis c'est quelque chose qui améliore chaque journée. Puis je suis très content parce que le premier album, Brûler le jour en français, c'était très difficile. C'était un défi. C'était la lutte. C'était un challenge. Là. Deuxième, ça devient plus facile. Puis celle-là, j'étais tellement inspiré en français. C'était un album que j'écris. La plupart des tunes étaient déjà écrits en français. Tu sais, le texte était écrit en français en premier. Et la mort du sang.